Étale. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous ça va super méga giga bien, on est au taquet. Oh, il était mignon ce taquet. Nous sommes encore et toujours en confinement, bloqués à la maison, mais pour les bonnes raisons d'ailleurs, j'insiste encore une fois, restez chez vous. Et du coup, vu que nous sommes bloqués à la maison, et bien sûr, on vous tourne des vidéos en direct de... De la maison. Voilà. Il n'y avait aucune énigme, aucune intrigue, la réponse était claire et nette. Et comme toujours, avant de commencer cette vidéo, si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, active la petite cloche pour recevoir une notif dès que je poste une nouvelle vidéo et viens me suivre sur mes autres réseaux, Instagram et TikTok. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. On ne supporte plus ces gosses pendant le confinement. Avec Loulou, on vous retrouve en direct de ma chambre parce qu'on va faire une vidéo qui s'attaque aux cheveux de Louane. Donc c'est une vidéo qui est très en vogue aux États-Unis, qui commence à venir tout doucement en France. Il y a Iliana qui l'a faite il y a pas longtemps sur sa chaîne YouTube. C'est le TikTok Air Hack. En bref, on va chercher plein d'astuces sur TikTok qui concernent les cheveux et on va tester ça ensemble. Est-ce que ça marche ou pas? Par contre, c'est pas sur moi, c'est sur elle. Non, c'est sur toi. Bon, on commence. TikTok Air Hack numéro 1, c'est parti. Nana, t'es notre assistante du jour. Venez madame, installez-vous. Prenez place dans mon salon haut de gamme où les coiffesses sont assises par terre. C'est un nouveau concept. Nous allons voir la première coiffure que nous allons faire ensemble si je trouve mon téléphone. Alors sur cette première vidéo, elle prend ses cheveux. Ah, on a déjà, alors on n'a pas ça, mais c'est pas grave, on fera sans. Elle lisse sa mèche de devant, elle fait une frange et elle met un bandeau. Déjà, il me manque un outil, il me manque le truc en... pour faire la boule, là. Première étape, et pas des moindres, se brosser les cheveux. Avec délicatesse. Ah, mais là, parti. Arrête. Sachez que moi, je sais juste faire les tresses, hein, d'habitude. Là, oh là là. Ah, c'est horrible, hein. C'est horrible. Là, on fait... Putain, mais pourquoi il y a plein de cheveux qui reviennent? Donc, on fait une queue de cheval. En fait, je vais venir la bloquer. Regarde pas, t'as la surprise. On dirait à la fin. Les trolls. Comme ça, on va voir la tête que t'aurais avec une frange. Mais elle, sa frange, elle est genre parfaite. Elle a les cheveux trop longs, Loulou, en fait. Attends. C'est quoi ça? Bouge pas, on y est presque. Et franchement. C'est quoi? Nous sommes sur une frange dégradée filée 2020. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes contente, madame? Super. Vous me regardez, madame? Je vais vous payer, madame. Je vais vous payer. Ah oui, d'accord. Et c'est pas mal. Moi, j'aime bien. On peut dire que le premier est un fail. Ben oui, franchement, c'est non, pas mal. Non, c'est la dame qui décide. C'est un fail. C'est une arnaque, madame. Je vais me rattraper. On va tester notre coiffure. Comme d'habitude, nous, on vous invite à voter chaque TikTok Air Hack dans les commentaires sur 10. Et suivez-nous pour le TikTok Air Hack numéro 2. Numéro 2, alors nouvelle vidéo. Elle a une brosse, elle claque des... Ouh, elle claque des doigts, elle a une queue de cheval quoi. Elle fait un Scooby. Alors on refait comme là maintenant, ok. On sait pas... Ah, c'est pour faire le nœud. Je crois que je te le faisais quand t'étais petite, mais j'ai jamais réussi à bien le faire. Vous voulez ça, madame? Oui, mais par contre, je vous paye à la fin du coup. D'accord. Bon, une première queue de cheval haute. Tenez la brosse, madame, aidez-moi. J'arrive même pas à faire une queue de cheval nette, c'est pas possible ça. Si je mets une heure à faire une queue de cheval, Ninou se lève, mais ce qui s'est passé, c'est que je vais me rasseoir. C'est limite mieux que tout à l'heure. Pour la frange, si j'avais fait ça, c'était mieux. Ça, je le prends. Il faut que je scinde ça. On dirait l'os de Pluto. Je vais voir le nœud. Attends, j'ai pas fini. Épingle. Mais on a un nœud. Non mais bouge pas. Non, il n'est pas solide. Attends, laisse-le noter mon nœud d'abord. Notez le nœud. Ninou, franchement. Ouais, non, c'est vraiment mieux que tout à l'heure. Et la cliente, qu'en pense-t-elle? C'est bien. Les cheveux sont détachés, on passe au TikTok Air Hack numéro 3. Pour cette nouvelle vidéo, on y voit une nana qui a beaucoup de chance parce qu'elle est sur la plage. Elle tresse les cheveux par le dessous en fait pour pas avoir les petits cheveux, vous savez, qui nous saoulent tout le temps. Et elle fait un chignon à l'arrache. Alors ça me saoule les meufs comme ce qui se coiffent hyper rapidement et qui font un truc hyper canon. Ok, elle a pas du tout confiance en moi, Louane. Tu vas me faire mal. C'est... Non. Mais déjà, comment elle trouve... En plus, elle le fait toute seule, la meuf, quoi. Je sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Pardon, Ninou, hein. On s'adapte. Donc, je vais tresser par en dessous. Parce qu'en fait, quand on tresse par en dessous, ça fait plus de relief. La position, Loulou, ça va? C'est confort? Là, on commence à être pas mal, ma Loulou.
Mais je m'arrête quand en fait? Là, je crois qu'il faut que je m'arrête, non? Bouge pas! Alors, elle, après, elle prend ses cheveux, genre comme ça. Je pense qu'on a un truc très beau. Et, elle fait, et on est d'accord qu'elle fait un chouchou, genre à l'arrache. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux te tourner, maman? Tourne-toi. Attends. Il aurait fallu la commencer plus basse. Quand t'as la plage, t'es jamais coiffée, bébé. Si déjà t'as ça à la plage, t'es contente en vrai. Ouais, ben reste à la maison, non. Alors, hein, pas à la plage. Hein. Ouais, ça rend pas comme elle, quoi. Madame, est-ce que cette coiffure vous plaît? Non. Okay. Et vous rendez-moi notre argent. Non, mais on va en essayer une autre. Hein, moi, je vais être payée quand même. Bon, je détache les cheveux et on passe au TikTok air hack suivant. Alors, sur cette vidéo, on y voit quelqu'un qui coiffe une perruque. Alors déjà, quand on coiffe une perruque, on va dire ce qui est, c'est quand même beaucoup plus facile. Et oh là là, il y fait un... Alors, j'ai rien compris. Hein. Il a fait un espèce de nœud. Il va falloir que je regarde 20 fois la vidéo pour le comprendre. Et grâce à ce nœud, en rentrant les cheveux, en fait, il obtient un chignon absolument parfait. Sauf que quand on connaît ma dextérité, on se dit que ça va pas être si facile que ça. Ça a l'air facile, mais à mon avis, ça n'est pas facile. Donc, on va redémêler tout ça. C'est bon, il n'y a plus de nœud. Je croyais qu'il y avait plus de... Est-ce que papa, il t'a déjà coiffé? Oui. Quand? Quand t'étais partie au meilleur pâtis. Ah oui, je m'en rappelle. Ouais, la maîtresse, elle m'avait dit que ça se voyait que j'étais plus là. Comme ça, il enroule, il passe là. Je regarde image par image. C'est pas mal ce qu'elle est en train de faire. Attends, je suis enfin sur un truc bien. Ouh là, on est sur un truc bien. On dirait un donut. Mais ouais, en fait ça évite, tu sais, d'avoir justement le truc pour faire la coiffure, baisse la tête. Mais le truc c'est que je pense que ça tient pas par contre. Ou alors faudrait mettre des épingles, attends. C'est canon et je suis trop contente. Ça fait du volume de fou hein. C'est beau hein. Il est gros. Bah oui, t'as vu. Ça fait hyper oui bonjour madame. Nous sommes à quelle table s'il vous plaît? Oh attendez, comment ça en confinement? Mais je m'en fiche, j'ai 18 salles de jeu moi chez moi. Bon c'est incroyable. Oh dis donc. Moi je fais son fantastique. Les gens, la blague sans fin. Ouais. Madame, validez-vous cette coiffure? Non. Quoi? Si, si. C'est juste que tu veux pas payer en fait. C'est quoi le suivant? C'est une surprise. T'as vu mes ongles, ils sont géants, j'ai des ongles de femme. Faut changer la coiffure, vite, elle prend le melon. Vite, détachez-lui les cheveux. C'est la melonitude. Qu'est-ce que tu fais avec ça toi? Tu vas voir, je vais t'expliquer. Mais c'est pour me laver les mains. On est en confinement, on fait avec les moyens du bord, ok? Transition. Ma loulou, on en était donc là. Je vais te faire... Je souffle. Quelque chose que tu attends de faire depuis très longtemps. Donc du coup, vu qu'on est en confinement, là je me suis dit c'est le moment où jamais. Ben oui. Oh regarde la craie. Il y a absolument toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est des craies pour colorer les cheveux. Donc Lou, elle connaît déjà les craies. Parce qu'en fait, on avait utilisé uniquement la rose et un peu la bleue. On lui avait fait quelques mèches pour s'amuser. Mais là, ma loulou, je te propose, on fait vraiment les cheveux arc-en-ciel. Bon, du coup, alors il faut... Vu que j'ai pas de pchipchit comme les coiffeurs, ça c'est pour laver les dents normalement. Et je me suis dit... Mais non, ça va me faire mal, c'est bizarre. Mais non, allez... Oui, cet objet est intrigant, surprenant. Alors, à l'insu de tous, j'ai voulu prendre une initiative et tester une expérience. Tu vas t'arracher des gencives, hein? C'est fort. Je vous ai dit que c'était une coiffure. Étale! Étale! Mais étale, quel est-ce? Mais étale, putain! Ah, je bats, c'est dégueulasse. Bref, j'ai bu la tasse. On va commencer par le bleu. Ah ouais, c'est bleu bleu. Parce qu'on va laisser les racines blondes, je pense, ça sera plus joli. Là, ça marche super bien. Moi, en tout cas, je trouve ça super génial pour les enfants. Quand ils ont envie d'un peu de fantaisie dans les cheveux. Mais ouais, de toute façon, ça part au shampoing. Voilà, c'est pas mauvais pour le cheveu. Alors, est-ce que le jaune, ça va bien marcher sur ses cheveux? Ah oui. Ah, le orange, c'est canon. Rien que comme ça, ça a déjà de la gueule. Hein. T'es prêt? Vas-y. Regardez ça. Bon, là, c'est mouillé. On va aller sécher. On va voir bien comment ça rend. Moi, je vois pas. Mais ah ouais, mais tu vas kiffer. Ah, je te jure, tu vas kiffer. Allez, on va sécher. Regardez cet arc-en-ciel de couleurs. Franchement, c'est juste mes canons. On a le bleu, le jaune, le orange, le rose, le rouge, le mauve. Et je me permets de vous demander, madame, êtes-vous satisfaite du résultat? Pas du tout. Non. Oui, oui. Si tu dois me donner une note globale sur 10, tu me donnes combien? 5. Ouais.
10. Sur 20. Ah ouais, la moyenne quoi. écoutez mes gourmandises, en tout cas moi j'ai passé un super moment. On s'est vraiment vraiment bien marré, ça fait éclaté. Du bien. Oh. Éclaté. On vous donne rendez-vous dès mardi à 17h30 dans une nouvelle vidéo. En attendant, on vous fait une avalanche de gros bisous d'amour et on se retrouve donc mardi dans une nouvelle vidéo. Ciao.